là, sur le volant, là-bas, il y a quoi? Alors, tu sais c'est quoi ça? Non, je sais pas. Tu sais pas? C'est un fromage de tête, mais sans la tête. Oui, en effet, c'est un fromage de tête, tout à fait. Oui. Sans la tête. C'est un fromage avec le pied. Ah, d'accord. C'est un fromage pied de porc. Ah, d'accord. Au PSI, parce que c'est PSI. Hein? Ah, voilà, c'est fait par la charcuterie à la gamma, à quartier français. Ouais. Mais bon, fais un petit coucou. Bah, coucou. Ok, les bon, donc ça va bien là pour goûter un coup. Hein? Fromage tête de pied. Et en tout cas, il fallait être très bon. Hein? Ouais. On n'a pas goûté, mais on est bien. Mais bon. Alors, très bon. Très bon. Pied humain, pied de porc. Fromage pied de porc, persillé. C'est fait par la charcuterie à la gamma à quartier français Saint-Suzanne. C'est très très bon. Et je trouve que c'est même meilleur que. Oui, nous aussi on a trouvé que c'est meilleur. Hein. Hein, c'est meilleur, hein. Il y a plus de goût. Plus de goût, oui. Bien épicé aussi. Bien épicé, hein. Ok. Ben voilà. Disponible à la charcuterie à la gamma. Même Toto. Toto, vous avez goûté? Tu vois, aujourd'hui, on apprend quelque chose de nouveau. Ah. Il montre que le créole n'est un savoir-faire. Donc, à la gamma, avec sa charcuterie, aujourd'hui, il présente plusieurs variétés. Et même aujourd'hui, il fait des fromages avec les pieds de porc. Voilà. Alors, nous va déguster et nous va dire s'il est bon. Alors, pourquoi il passe à fromage? Parce que nous fait le fromage tête. D'habitude, on dit toujours fromage de tête. Mais là, c'est bien parce qu'il montre en haut que le créole n'a un savoir-faire. Hein? Et peut-être à la gamma, il a appris beaucoup de choses et il met en pratique. Aujourd'hui, il peut faire ça. Donc, demain, il peut faire autre chose. Ben voilà. Hein? Ok. Donc, nous déguste. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on a son numéro qui apparaît alors. Voilà. Allez.